muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, c'est Raphaël le meneur de jeu. Je suis le grand frère, donc pour quelques temps ce sera le cas, mais je pense d'ici un ou deux ans ce sera Théo qui fera tout le business. Exactement, c'est comme un apprentissage en fait, je suis stagiaire pour l'instant. De voir ce qui m'arrive. Moi je dirais que Théo est l'attaquant. Ouais, mon frère. Raphaël est défenseur. Et moi plutôt défenseur. Pas gardien de but comme trop. Là où je vais, on a des libéraux, ouais. Ouais, on a une petite équipe autour de nous. On a des gens qui travaillent avec nous à la presse et à la presse on dirait que c'est de la musculation quoi. On a un mec à la presse, mais on a une petite équipe autour de nous et c'est vraiment ceux qui permettent que le projet soit avance un peu quoi. Je touche du joueur pour l'instant mais on n'a pas eu de grosses déconvenues. Verse-moi ton bar. Je pense que c'était Paroles et Musique à Saint-Etienne, sans être chauvin mais c'était un moment assez extraordinaire. Avant de on écoute de l'ambiance, tu vois. Ouais. On écoute Sakamoto ou Outudi Super Complicity, qui est un collectif d'ambiance polonais. Ou Brian Eno. Et ça nous met dedans, ça chauffe. Dancing qui résonne. On a eu la chance de faire la résidence de Foule Sentimentale sur France Inter, qui est l'émission orchestrée par Didier Varro. Et en fait, il faut le dire, qu'on nous offre des petits tickets boissons. Point trop d'info, hein. Soit Frank Zappa, soit Prince, qu'on adore. Évidemment, c'est les verts. Si on va au stade bientôt, moi je chanterai avec un fils sonore. Ouais, ouais, c'est, non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment comme une espèce de maladie. Ce qu'on veut, c'est trouver du public et ça prendra du temps. Voilà, on sort notre EP le 12 octobre. C'est le commencement de tout ça quoi. Donc on verra. Pour l'instant on se dit juste qu'on a de la chance de pouvoir fouler la pelouse. Ouais, fouler la pelouse quoi. Et jouer beaucoup. Des micro-jetos sans hésiter. Hein. Les gens nous l'écrivent souvent hein, sur internet. Et finalement il va falloir qu'on l'assume. On trouve surtout un partenariat avec une vraie crème du Dargan pour que. Et puis c'est travailler quoi, le premier tour. Et ça, ce sera pour l'interview coiffure. Ouais. Pour l'année prochaine. On souhaite une belle saison à la SS. À la Saint-Etienne. Mais même au FC 38, hein, franchement. FC... Et on voudrait remercier Victor, notre entraîneur sur Terre Noire, qui nous a appris à nous battre sur le terrain.